Boker Tov à tous. Alors, donc je vous ai demandé, comme Baruch Hashem, sur l'initiative de quelques personnes, il y a un super minyan qui vient de débuter à Tel Chai. Et un minyan de jeunes, parce que vous êtes en vacances, Baruch Hashem, vous avez la chance d'être en vacances. Lio, viens t'asseoir, Sadiq. Alors, vous avez la chance d'être en vacances et bon, on a décidé, Baruch Hashem, surtout Hashem qui a décidé qu'il vous fallait un peu de Torah. Alors, le principe, c'est qu'on va faire une petite demi-heure, on ne va pas vous alourdir trop la tâche, mais une petite demi-heure de Torah après la tefila, comme il dit Rabbi Nachman, que c'est très très important d'attacher la Torah à la tefila, d'attacher la prière à la Torah, l'étude de la Torah avec la prière. Et ça veut dire attacher l'étude de la Torah avec la prière, c'est que maintenant vous avez prié, non? Chez moi, Israël, vous avez dit, s'il te plaît, Hachem, qu'on comprenne la Torah, n'est-ce pas? Et si vous partez sans avoir étudié, c'est comme si vous êtes allé chez un homme et vous lui avez dit, voilà, j'ai besoin d'argent. Il a dit, viens prendre l'argent. Et bon, tu es venu, tu n'es pas venu la première journée. Et le lendemain, tu l'appelles, j'ai besoin d'argent. Viens, prends l'argent. Le lendemain, tu n'es pas venu prendre l'argent. Et comme ça, tous les jours, au bout d'un moment, l'homme, il te dit, bon, c'est bon, arrête de m'appeler, quoi. Tu as besoin d'argent, mais tu viens pas le chercher, à quoi ça sert? Donc, c'est un peu comme ça avec nous, avec la Torah. Donc, Bezrat Hashem, le but de ces jours-là, j'ai demandé d'abord, est-ce que vous voulez qu'ils soient enregistrés, simplement parce que c'est le but de ces jours-là, c'est pas pour l'enregistrer, c'est pour vous. C'est que vous sortiez quelque chose de là, que dans votre journée, elles soient un peu différentes de les autres journées grâce à la Torah qu'on peut étudier ensemble, ok? Donc, le but, c'est que vous participiez, le but, c'est que vous posiez des questions, le but, c'est que s'il y a quoi que ce soit, si même si ça n'a rien à voir avec le sujet, ça ne me dérange pas. Moi, sincèrement, c'est pas... Vous avez voulu partager parce que c'est un mérite de partager la Torah, c'est vrai. Mais le but, c'est pas pour le partager. Le but, c'est que nous-mêmes, ceux qui seront déjà là au Shiur et qui viennent le matin maintenant vers Baruch Hashem, on arrive à sortir quelque chose. Maintenant, si vous avez des questions sur Dieu, sur la Torah, sur ce que vous voulez, on en parle, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez qu'on éteigne, on éteint, il n'y a aucun problème aussi. Ok? Donc, étant donné que je ne voulais pas vous rentrer dedans tout de suite, j'ai décidé d'aller un peu soft et de commencer avec un écouter à la chote. Oh, ça se voit qu'il y en a qui vont venir au mal. Alors, à l'écouter à la chote de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'était l'élève de Rabbi Nachman. Et voilà, donc il nous explique dans cet écouter à la chote. Moi, je trouve que c'est un écouter à la chote de base parce qu'il nous explique pourquoi on est venu dans ce monde. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui sait pourquoi on est venu dans ce monde? Pourquoi vous pensez que vous êtes là? Chacun qui est venu ici, il est venu réparer quelque chose. Krasak. Il aurait dit, chacun qui est venu ici, il est venu réparer quelque chose. Pourquoi? Parce que tu vas pas venir pour on va dire, kiffer ta vie. Ou, t'es venu pour... Pour une mission. Non. Donc chacun d'entre nous, il a une mission. C'est très vrai ce qu'il dit, il a une mission. Et pas seulement il a une mission, mais il a une mission différente de l'autre. Ça veut dire que Lior, il a une mission différente de la tienne, et toi, tu as une mission différente de toi, et etc. So, j'ai envie de parler en anglais parce que tu parles anglais, mais bon, ça va être un peu bizarre, mais tu comprends, ok. Oui. Même si tu veux poser en anglais, moi, je comprends, il n'y a pas de problème. Alors, le principe, il est que Bémet, on a une mission dans ce monde. Déjà, le fait que vous soyez resté au Shiur, et qu'il y en a qui sont, malheureusement, qui ont quitté après la tête, c'est déjà une preuve que vous êtes prêt à écouter ce message-là. Pourquoi je ne suis pas allé courir après ceux qui sont partis? Parce que ça ne sert à rien. Simplement parce qu'ils ne sont pas encore prêts à écouter ce message-là. Vous êtes prêts à écouter. Si vous êtes là, vous avez tenu, vous avez la présence d'esprit à votre âge, ce qui est extraordinaire, parce que personnellement, moi, je n'avais pas. À votre âge, de comprendre qu'il y a une mission dans le monde, que tu n'es pas là juste berchofesh, tu n'es pas juste en vacances. Que Bémet, il y a quelque chose à faire. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas kiffer ta vie, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas sortir avec tes copains, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une belle vie de famille, une belle vie de copains, une belle entre potes et tout ça, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que dans un coin de ta tête, tu sais que bon, je ne viens pas pour rien, je ne suis pas là pour rien. Encore aujourd'hui, quand vous êtes jeune, c'est plus facile parce que vous n'avez pas toutes les responsabilités de la vie encore. Donc finalement, les responsabilités, elles te rappellent que tu n'es pas là pour rien, parce que tu vois que comment c'est dur. Mais bon, encore jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem, avec les parents que vous avez des situations qui vous permettent de réaliser que bon, c'est pas encore la difficulté de la vie. Vous kiffez ce que vous avez à kiffer, bon, il y a des responsabilités vis-à-vis de l'école et tout, c'est vrai. Mais vous avez ce que vous avez à kiffer. Donc c'est sûr, c'est très vrai, d'ailleurs tu as tout à fait raison, c'est qu'on est tous venus pour une mission. Maintenant, la question, c'est quoi la mission? Une idée, c'est quoi la mission de laquelle on est venu? Non, mais ça peut être... Moi, je veux pas que Lior juste y parle. Non, je rigole, vas-y, Lior. Ça peut être
On va dire ça peut être quelqu'un qui doit réparer sa parole ou une personne qui doit réparer son Ouais. respect, c'est pas. Alors il dit Lior que chacun a, en fonction des. Vous savez que tous, vous avez une âme, ça vous savez. Je ne parle pas des. Je parle pour faire des gens intelligents. Vous savez on a une âme en nous, n'est-ce pas? Et cette âme-là, finalement, elle est éternelle. Ok? Maintenant, cette âme-là, c'est pas la première fois qu'elle vient dans ce monde. Voilà, c'est exactement, c'est des Guilgoulim. Ça veut dire, c'est quoi des Guilgoulim? C'est incroyable qu'à votre âge, vous sachiez des choses comme ça. Moi, j'avais aucune idée, les maîtres. On dit que la Eretz Israël elle donne la chokhma. Et tu vois que c'est vrai. Mais c'est vrai. Alors, c'est des Gigoulim. Ça veut dire quoi c'est des Gigoulim? Ça veut dire qu'on a chacun, on est venu déjà plusieurs fois. Et pourquoi on vient à chaque fois? Parce que comme tu as dit, on n'a pas fini de réparer. Et des fois, on empire la situation et on doit encore revenir. Et il faut d'abord, un, comprendre que le fait de venir dans ce monde, c'est un cadeau. Alors, pourquoi tu me dis que c'est un cadeau? Bon, c'est-à-dire que si tu réalises toutes les responsabilités qu'on a, que ce soit la mitzvot, la Torah, les responsabilités, quand j'ai dit respecter tes parents, tout ça. Comme c'est plus de responsabilité qu'un cadeau. Alors si tu comprends qu'en vérité il y a un tahlit, il y a un but, et que ton but c'est de réparer, alors si tu viens, tu comprends que c'est un cadeau parce que si tu n'étais pas là, tu ne pourrais pas réparer. Si tu n'étais pas là, comment tu fais pour réparer? C'est-à-dire que tu restes avec les mêmes manquements pour l'éternité en haut. Et qu'est-ce que ça change? Moi tu me dis, ok, c'est pas grave, je reste pour l'éternité en haut avec les mêmes manquements. Qu'est-ce que ça me change? What's the difference for you? I don't know, because if you're not able to ce qui tu veux pas Réparer. You can speak préparer, English. ce qui tu peux préparer, tu restes rien faire, je sais pas, en français. Si tu veux pas réparer, il y a un gros problème. C'est que tout le but à la fin, c'est que chacun d'entre nous, il est le meilleur qui existe. Et le meilleur qui existe, the best of the best, is to feel connected with Hashem. Le meilleur qui existe, c'est de se sentir connecté avec Kadosh Baroukh. Ok? Alors, ça maintenant, on ne comprend pas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas c'est qui Hachem, on ne sait pas ça veut dire quoi être connecté, on ne sait pas tout ça. Mais dans le Olam Haba, dans le monde futur, il n'y a que ça. Il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de plage, il n'y a plus de foot. C'est-à-dire, vous connaissez cette blague qu'il y en a, il y a deux gars, ils sont. Tu connais cette blague-là? Il y a deux gars, ils s'étaient super amis dans la vie. Et il y en a un qui a dit à l'autre, bon, ils étaient déjà assez vieux, mais toute leur kiff, c'était tous les dimanches de jouer au foot. Tous les dimanches, ils jouaient au foot. Alors il disait, il y en a un qui a dit à l'autre en rigolant, il lui a dit, écoute, le premier qui monte en haut, il dit à l'autre s'il y a le foot en haut. S'il y a des matchs de foot. Alors il y en a un qui s'en va, il monte en haut, il revient en rêve à l'autre, c'est une blague. Il y en a un autre qui s'en va, il revient en rêve à l'autre. Il lui dit, tu sais quoi, c'est vrai, mais mec, il y a le foot en haut, c'est trop cool, il y a des super matchs, on s'éclate toute la journée et tout. Il dit, waouh, c'est une super nouvelle. Il dit, oui, mais tu sais J'ai quoi, aussi j'ai une une autre, j'ai une autre, nouvelle. ouais, j'ai aussi une mauvaise nouvelle. Il dit, quoi, une mauvaise nouvelle? Il dit, tu joues la semaine prochaine. Ça veut dire que, mais, tu vois, le gars, il s'en va. Alors, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? A priori, c'est une bonne nouvelle de jouer au foot la semaine prochaine dans la Mabah. Non, c'est une bonne nouvelle. Tu dis pas c'est une mauvaise nouvelle. Parce que finalement, quand tu quittes ce monde, il y a quelque chose que tu perds. C'est quoi ce que tu perds? C'est cette capacité d'accumuler des bonnes choses. Dans le monde à venir, il n'y a pas d'accumulation de bonnes choses. Dans le monde à venir, ce que tu as fait, ça t'est resté pour l'éternité et ça stagne. Le mieux qui va te faire monter, c'est que si, les attachants, quand vous aurez des enfants, et que vous les éduquez dans le chemin de la Torah, alors eux, quand ils feront des mitzvot, ou quand vous ferez des mitzvot, et que, bon, pour vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, quand on dit le Mishmat ou quoi, alors ça les fait monter aussi. Parce que tout ce que tu fais toi dans ce monde, tu n'es pas seulement responsable de toi. Quand toi tu fais quelque chose de bien, ce matin tu fais la tefila Baruch HaShem, cette tefila, tu l'as fait pour toi, tu as gagné une mitzvah énorme. Parce qu'en plus, il y a des gens qui ont répondu Amen, etc. T'as fait, c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est pas seulement pour toi que tu l'as fait. D'abord, un, tu répares toi, mais tu répares en même temps toutes les générations qui viennent avant toi. Tu as une responsabilité. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup à dire pour un enfant. Je n'ai pas envie de dire un enfant parce que vous êtes des adultes. À 15 ans, aujourd'hui, on est des adultes. Mais pour un adulte de 15 ans, c'est une responsabilité. Parce que tu dis quoi? J'ai le poids de toutes les générations avant moi sur mon dos. Oui. C'est une responsabilité, il faut en être conscient, mais en même temps c'est une chance extraordinaire. Parce que tu peux réparer, comme il a dit Lior, tu peux réparer des choses qui sont béhémettes, que autrement tu ne pourrais pas réparer. Donc on peut faire accumuler des mitzvot. À tes parents, à tes grands-parents, tes parents ils sont encore vivants, bon, prochain qui leur Mais donne envie, des mais. défunts, quoi. Ouais. Il faut savoir que chaque mitzvah que tu fais,
chaque mitzvah que tu fais, c'est un ange que tu crées. Et chaque avéra que tu fais, c'est un ange que tu crées. Toi, tu ne le vois pas, mais chaque mitzvah que tu fais, c'est un ange que tu crées. C'est rapporté par la chassidoute qu'on fait très attention avec les enfants de les éduquer à ce qu'ils disent les brachot bien comme il faut, avec Baruch Ata Hashem, il s'arrête, Elokeinu Melech Haolam, il s'arrête, Shakol Niyad Baron, on va dire, ok. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est rapporté que quand tu fais une bracha, s'il y a une question ou quoi, vous pouvez. You can transfer me if you want. Il y avait une question? Non. Okay. Tu as une question toi? Non. Ouais, bon. Ok, c'est bon. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que Béhémet, lorsqu'on fait une bracha, on est en train de créer un ange. Maintenant, c'est rapporté que cet ange-là, il peut être chalem, il peut être parfait. On va dire Dougma, il a des yeux, il a des bras, il a etc. etc. Et chaque ange que tu crées, c'est un ange blanc. Et chaque ange blanc, il va monter en haut, il va te défendre. Ça veut dire le jour du jugement, tu vas avoir d'un côté tous les anges blancs que tu as eus. Les anges noirs. Et les nous, de l'autre côté, les très peu d'anges noirs que tu as accumulés. Mais ce qui est vrai, c'est que l'ange blanc, pour qu'il te défende, comment il va te défendre? C'est quoi la force de sa défense? La force de sa défense, c'est finalement que plus il est chalem, exactement. Ça dépend de la kavana que tu as eue. Si et de la bracha, déjà là, et ben il n'aura pas une main au pain. Voilà, exactement, comme ça ils disent. Exactement, c'est comme ça qu'ils disent. Ils disent que si maintenant tu n'as pas fait attention, tu as dit bracha chemin comme ça, vite, alors l'ange, il lui manque soit un bras, soit un œil, soit quelque chose, c'est une image. Et ça montre qu'il est moins fort, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est beaucoup moins fort. Et alors que quoi? Tu prends 2 secondes. J'ai dit ça moi, même à des adultes, je l'ai dit à moi-même avant de commencer. Des fois, on fait la bracha, on ne sait même pas si on a fait la bracha tellement on l'a fait vite. Si tu prends 2 secondes et tu dis, et tu t'arrêtes, tu regardes ton verre d'eau, tu dis Hachem, maintenant je vais faire la bracha pour toi parce que tu m'as demandé de la faire et parce que Mehmet, je veux grandir ton nom. Tu fais, ça prend quoi? Quelques secondes. Tu vas voir que ta bracha, elle va changer parce que tu as pris conscience de ce que tu fais. Okay, pour toi, ça va t'aider à... Bien sûr, c'est pour toi. C'est l'eau, c'est... Exactement. Après, tu peux dire, tu peux ajouter, tu peux même faire une demi-heure de paracha. Mm-hmm. Tu sais, s'il te plaît, que cette eau-là, elle me guérisse. C'est vrai, mais tu crois que tu rigoles. Non, on rigole, mais je vous dis que ça marche. C'est-à-dire que quand tu parles, vous savez qu'ils ont fait une expérience au Japon, en Chine, je crois. Ils ont fait une expérience, ils ont pris 2 verres d'eau dans 2 salles différentes. Il y a dans une salle, ils n'arrêtaient pas de l'insulter. Et ouais, ils n'arrêtaient pas, ils disaient tu es moche, tu es dégueulasse, mais c'est pas possible, tu pues, c'est pas comme ça. Et dans une autre salle, ils étaient là, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lui disaient waouh, tu es magnifique, mais qu'est-ce que tu es transparent, tu es extraordinaire. Ils sont partis prendre, vous rigolez, mais je suis très sérieux. Ils sont partis prendre un microscope, ils ont pris une goutte de cette eau-là, ils l'ont mis sur le microscope, ils ont vu que dans l'eau qui était insultée, toutes les molécules, elles étaient complètement à l'envers. Et ils ont vu que dans l'eau qu'on avait bien parlé, toutes les molécules étaient bécédères, toutes bien connectées les unes avec les autres. Vous imaginez le pouvoir qu'on a dans la parole. Ça, on parle de Goïm maintenant qui parle. Imagine, tu fais des télines devant l'eau. Qu'est-ce qui rentre dedans? Tu deviens... Mais ça, c'est vrai ou pas? C'est Béhémet comme ça. Je vous dis pas de bêtises. Je parle à moi-même. Béhémet, c'est comme ça. C'est vrai pour tout. Quand vous parlez, quand vous avez des frères et des sœurs. Ouais. Si tu leur parles bien, si Béhémet, tu les renforces, ou quand tu parles à tes parents, ou n'importe quoi, pas oublie maintenant le respect des parents, etc. Ça, c'est un sujet en soi. Mais pour vous-même, être en... Vous savez, dans la vie, vous allez apprendre quelque chose. C'est que tu peux tout avoir, mais s'il n'y a pas des relations humaines qui sont saines autour de toi, s'il n'y a pas de shalom autour de toi, tout a un goût de pourri. Tout. Tu peux boire du coca, bien manger, avoir une piscine, ce que tu veux, mais si tu n'as pas des relations humaines fortes autour de toi, que ce soit avec tes parents, des relations saines avec ta femme, des relations saines, certaines quand tu serais marié, avec tes amis, des relations saines, que tu n'as pas des problèmes et des marloquets, des histoires et des trucs, si tu as des relations saines, c'est ça le dénominateur commun, que tout le reste doit avoir un bon. Mais si tu n'as pas ça, hein, quelqu'un par exemple, nous, qui est marié, qui n'a pas de shalom bayit, ou quelqu'un qui, à votre âge, est tout le temps en problème avec ses parents, pour X ou Y raison. Que vous ayez raison, que vous ayez tort, ça change rien, le résultat est le même. Ouais, ça veut dire que le résultat, un, il est que vous êtes obligé de les respecter, et deux, c'est que même si vous avez raison dans votre DA, dans votre façon de penser, ça change rien que maintenant vous allez créer une marque locale avec vos parents qui va vous pourrir la vie. Littéralement. Ouais. Donc, si tu arrives à créer cette relation-là, alors c'est ça, c'est la même chose pour l'eau. Quand tu fais une belle bracha, ce que tu fais, tu as.
En vérité, tu ne sais pas, mais tu viens de créer un ange. Et dans cela, dans chaque chose que tu fais, dans chaque chose que tu fais, tu viens de créer un ange. Et quand cet ange-là, tu fais attention à ce qu'il soit Shalem, alors maintenant, tu as un ange pour l'éternité. Mais c'est bien de penser à l'éternité, même tu vas, vous allez me dire, il doit me faire en mi. Il n'y a pas d'éternité, hein. Ok, très bien, mais maintenant je vis ici, je n'ai pas besoin d'éternité. Laisse-moi avec mon éternité, maintenant j'ai 15-16 ans, j'ai encore besoin d'HM 120 ans devant moi. J'ai pas besoin d'éternité, j'ai plein de choses à faire, j'ai à expérimenter, etc. Mais il faut que tu saches que HM, ses conseils, c'est pas pour l'éternité. Lui aussi, il en a rien à cirer de l'éternité, entre guillemets. Lui, il veut que tu vives bien dans ce monde-ci. Il veut pas que tu fasses les mêmes erreurs qui vont te coûter l'éternité. Mais ben, c'est comme ça, il veut pas que tu fasses des erreurs qui vont te coûter l'éternité. Donc lui, les conseils, c'est pas pour lui, il a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de nous. Quand tu fais une bracha, il a pas besoin que tu fasses la bracha. Il sait que la bracha que tu vas faire, elle va t'apporter du shefa. Cette eau-là, elle va être maintenant messadère, elle va avoir des molécules qui vont être parfaites, qui vont te donner de la refoua. Ou le contraire, qui vont t'assouvir ta soif, vraiment. Parce que, do you understand what I'm saying? Yeah. But if you have any question, I want you to ask. Yeah, okay? Yeah. So, c'est, donc, vous comprenez qu'il y a un yin comme ça. Maintenant, qu'on a compris que c'est tout à fait raison, que c'est ça, qu'on est venu dans ce monde pour préparer, etc. Ok, mais moi j'ai envie de vivre, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de vivre ma vie. Je veux dire, je suis jeune et j'ai pour la plupart d'entre vous, vous êtes en vacances et bon, il y en a qui ont eu la responsabilité de prendre un job, bravo, c'est très bien. Mais encore une fois, je veux dire, le soir, etc. C'est, on vous demande pas à 15 ans d'être des gens de 30 ans. C'est pas ça qu'on demande à un adulte de 15 ans. Mais quand même, on remarque qu'il faut, il y a une chose qu'il faut essayer de faire, même en tant qu'adulte, même en tant que gars de 30, 35, 40 ans. Même quand tu kiffes, essaie au moins de ne pas te détruire. Au moins ne détruis pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas détruire? Ça veut dire il y a des choses qui détruisent un échama. Maintenant, on est en Chofesh, ouais, on est en été. C'est très facile de regarder là où il ne faut pas regarder. D'aller à la plage, là il faut pas aller. Il y a des plages. Bon, par exemple, vous êtes à Ashdod ici. À Ashdod, il y a des plages qui sont séparées. Vous pouvez kiffer, prendre un ballon, aller jouer avec des copains. Il y a des vrais kiffs qui sont. Alors, c'est vrai qu'il y a un gros Yetzerara. Je dis pas qu'il n'y a pas un Yetzerara. Il y a un gros Yetzerara et c'est pas évident. Mais vous allez voir que maintenant, vous croyez que vous faites rien. Mais ça, comment vous pensez que HM. Vous savez, c'est écrit dans la Gemara. Peut-être qu'on va finir sur ça parce que je veux pas que ce soit trop long le chiour pour que ce soit pas trop cavette pour vous. Mais vous savez, c'est écrit dans la Gemara. Hein, que à 40 jours avant la naissance d'un homme, sa femme elle lui est déjà destinée. Ouais, 40 jours avant qu'un homme naisse, sa femme elle lui est déjà destinée. Mais c'est écrit que aussi dans un autre Gemara, enfin plus loin dans la Gemara, c'est écrit là-bas hein, que en fonction des mérites de l'homme, on lui choisit sa femme. You understand what I'm saying? Yeah. 40 days before he is born, already his wife is given to him. Et ensuite de ça, même après ça, but in another place in the Gemara, on lui dit non, tu sais quoi, c'est en fonction des mérites. Donc on peut changer le. Hein? On peut changer notre. Chazak. Alors, exactement, c'est ça le chidouj de Gemara, les Chachamim. Tu vois, tu penses comme les Chachamim. C'est vrai? Tu penses comme les Chachamim? C'est ça qu'ils disent les Chachamim. Ils disent les Chachamim, en vérité, ça ne se contredit pas. En vérité, tu as ce qu'on appelle un Zivug Rishon, c'est-à-dire tu as une destinée. Ta destinée, c'est ça. Maintenant, ça, c'est en fonction si tu arrives à 21 ans, 22 ans, 23 ans, en fonction quand vous allez trouver votre femme, et que tu es au niveau que tu devrais être. Mais si tu as fait les mauvais choix à 15, 16, 17 ans, qu'est-ce qui arrive? Tu n'es pas au niveau que tu devrais être. Donc maintenant, HM ne peut pas te donner la fin de cette déquête que tu devrais avoir. La mère de tes enfants, c'est qui va te rendre heureux, c'est qui va que vous allez avoir une vraie construction ensemble et pas juste des disputes et des verres cassés et des vases qui volent dans la maison. On rigole, personne ne connaît ça. Hein. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a tous à réparer, comme vous avez dit. Mais déjà, on a réparé les autres vies. Mais des fois, on se crée des réparations nous-mêmes dans cette vie-là. Et pourquoi le Yetzer Hara est tellement gros maintenant sur vous? Pourquoi c'est tellement difficile de baisser les yeux, tellement difficile de faire des bons choix maintenant? Parce que maintenant, les choix que vous allez faire, ils vont déterminer toute votre vie. La femme que vous allez avoir, après, ça y est, qu'est-ce que tu vas faire encore? Alors, allez, nous, quelqu'un, il va divorcer, il va éteindre des enfants, c'est la mort après, c'est l'enfer dans ce monde-ci. Dans les Kohen. C'est pas possible, toi, ça se méchant. Non, il n'y a pas d'option, toi. Tu trouves ton visa ou Rishon, tu n'as pas le choix. Alors, il dit ça parce que normalement, celui qui est Kohen, il doit aller, donc, quelqu'un qui divorce un Kohen, c'est un très gros problème. Il ne peut pas remarier sa femme, il
pas marié, non divorcé, c'est un trop simple problème pour ça qu'il dit ça. Comme d'ailleurs déjà qu'il est. Mais tout ça, ce que j'ai dit moi, c'est que maintenant vous avez des choix dans la vie. Alors c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut essayer de sortir le meilleur de ces choix-là. Alors on va en parler au fur et à mesure des shiurim, si vous êtes attaché, si vous acceptez qu'on fasse des shiurim, parce que le but c'est que vous soyez là, sinon ça sert à rien. Mais le but, what I'm saying is que maintenant il y a des choix qui se font à toi qui ont un impact beaucoup plus grand que plus tard dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu es dans un embranchement, dans un chemin. You're on the road, ok? Maintenant, tu es sur une route. Maintenant, tu as deux embranchements, ok? Tu prends droite ou gauche. Même si tu as fait le mauvais embranchement, tu as pris droite, mais tu t'en es rendu compte à 15, 16, 17 ans, ok, il y a toujours une connexion, ou bien tu reviens vite et tu reprends la bonne embranchement, c'est pas grave. Mais quand on a 30, 35, 40, 45, t'es déjà à 500, 600 km, tu voulais être à Paris, t'es à Marseille, tu voulais être à Tel Aviv, t'es à Eilat. Et comment c'est possible? Bon, ni l'un ni l'autre, c'est, on va dire, tu voulais être à Bnebrak, t'es à Eilat. Ça veut dire, mais comment c'est possible? Et maintenant, comment tu fais pour revenir à Bnebrak? Peut-être dans cette vie, ce sera même pas possible. Peut-être qu'il va falloir que tu reviennes maintenant. Pourquoi? Parce que t'as pris un mauvais embranchement maintenant, dans les moments cruciaux que vous avez maintenant. Si moi j'avais eu ces shiurim, bah, je sais pas, après HM il t'aide beaucoup, mais si nous, à notre époque, on avait des shiurim comme vous avez maintenant, vous venez même au shiurim de Rav Tzvi et tout, le mercredi, etc. Vous avez accès, vous étudiez la Torah, vous faites des minyanim, etc. C'est des choses incroyables, c'est des choses incroyables. Maintenant toi, maintenant, tu apprends même si t'es déjà très bon, mais ça veut dire, tu apprends à céder de tefila, ça veut dire n'importe quand maintenant, tu peux aider, tu peux faire chazan n'importe où, pour toute ta vie. Tu peux dire, tu sais que maintenant, le matin, on cherche toujours quelqu'un pour lire la Torah. Maintenant, toi, ça y est, maintenant que tu as appris ça. Et c'est pour ça que c'est incroyable. Il faut vous préparer à étudier la Torah, etc. Maintenant, parce que maintenant, vous apprenez beaucoup plus vite. Si moi, je fais la même chose, ça me prend trois fois plus de temps que lui d'apprendre les mêmes soukim. Donc, lui, maintenant, il l'a dans la tête, c'est fini pour la vie. Chaque fois qu'on va avoir besoin de quelqu'un, il va être là pour lire. Et c'est des mitzvot et des mitzvot et des mitzvot que tu accumules. Il y a des choix dans la vie que tu peux faire qui vont avoir un impact énorme sur toute ta vie. Et en même temps, ça va te préparer justement. Les mitzvot, c'est pas parce qu'on veut t'incomber quelque chose, c'est pas parce qu'on veut te dire, ok, I'm here and I want to know, je veux que tu saches que je suis là. C'est pas pour ça qu'on fait ça. Hachem, il dit pas, je veux que tu saches que je suis là. Il veut que tu comprennes que ce que tu te demandes, c'est pour toi. C'est pour que toi, maintenant, tu sois au meilleur niveau. Tu es la meilleure femme pour toi. Tu es les meilleurs enfants. Tu crois que les enfants, comment ça se passe? Ils sont en haut. Ils sont connectés à toi. Et maintenant, il faut qu'ils descendent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il leur dit, ok, c'est le moment de descendre. Qui veut venir chez ce couple-là? Alors, s'ils voient un couple qui se jette des bases et qui truc, ils disent, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors après, s'il y a un petit coup d'entre eux, c'est une autre histoire. On ne va pas rentrer dans ça. Mais de façon générale, même les enfants que tu vas avoir, ça dépend de comment tu t'es marié, avec qui tu t'es marié, de quel niveau de Torah tu as à ce niveau-là, etc. Maintenant, toute l'année, vous avez les responsabilités, l'école, etc. C'est une grosse responsabilité. Et vous avez une responsabilité parce que, évidemment, vous avez une vie à préparer. C'est normal. Tout le monde est passé par là, qu'il y a une construction à faire. Mais maintenant que vous êtes en profèche, c'est sûr qu'il faut que vous vous éclatiez. C'est indispensable. C'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez une façon entre vous de vous éclater de façon cachère. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, à l'époque, on jouait au foot, je ne sais pas ce que vous faites maintenant. Mais on joue au foot. Il y a des chiots maintenant que bientôt je vais aller à 11h. Ouais. On fait une heure de chiots après on va faire un foot. Ah, c'est génial. C'est incroyable, Hachem. Tu vois, que Béhémet, tu peux construire le kiff. Tu vois aussi. Ben, voilà, très bien. Vous avez commencé, vous avez fait la tila. Vous avez fait une demi-heure de chiots maintenant. Vous allez faire une heure de chiots. Vous allez faire un foot. Vous allez bouffer quelque chose de bon. C'est vrai, j'imagine, non? Vous allez manger. En plus, vous êtes en Israël, il fait beau. Donc il y a plein de choses dans la cache-route que vous pouvez choisir pour gérer. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Je vais un peu revenir André. C'est vrai que tu as dit qu'il faut s'éclater et tout ça, et pas. Mais il faut aussi pas s'ennuyer. Parce que dès que tu t'ennuies, c'est la fin. C'est fini. Ouais, tiens, il a raison. Il y a même qu'il faut faire cacher ça, mais jamais essayer de rester à la maison tout seul. Voilà, c'est ça. Parce que si tu veux, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il a... Tu peux me donner chiro à ma place, moi je pense que c'est fini. Je pense que de venir proche, je me déplace qu'à Tel Chai, sérieusement. Mais il a raison, c'est que il faut essayer de s'éloigner de l'ennui. Il faut essayer de s'éloigner de l'ennui. Il faut essayer de s'éloigner parce que l'ennui, le Yetzerara, il te dit ok, t'as rien à faire, alors viens, regarde, il y a internet, il y a truc, il y a machin, tout de suite tu. C'est normal. Je dis pas que. Reste sûr, mais je dis pas que ces histoires-là, c'est pas normal d'y tomber. Je dis que si vous arrivez à ne pas y tomber, vous êtes des gens extraordinaires.
et que si vous n'arrivez pas à tomber dans ces délires-là, que là, 80% des jeunes de votre âge, ils vont tomber dedans, vous allez être les grands de la prochaine génération. C'est-à-dire que vous allez avoir la femme qu'il faut, les enfants qu'il faut, la Torah qu'il faut, et les gens qui aujourd'hui se plantent dans leur façon de faire, ils viendront vous voir vous dans 10-15 ans. Ils vont vous demander comment je fais maintenant. Comment je fais que j'arrive pas à avoir d'enfants. Comment je fais, s'il te plaît, aide-moi, donne-moi un conseil. Comment je fais, j'arrive pas à avoir de Shalom Bayit. Ils vont venir chez vous, parce que vous, maintenant, vous aurez fait les bons choix. Et je vous dis, c'est comme ça que ça marche. Celui qui fait les bons choix aujourd'hui, dans 30 ans, c'est lui qu'on va venir voir pour poser des questions. Ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. Maintenant, c'est maintenant que vous construisez votre vie. Alors, c'est vrai qu'il y a du kiff, etc. Je dis pas, un adulte de 15-16 ans, il doit avoir du kiff. Tu peux pas maintenant lui dire de s'asseoir à notre frère. Ça marche pas, c'est impossible. Non seulement c'est impossible, à part s'il est né dans ça et bon, ils sont amenés pas, ils sont contrôlés comme ça. Mais moi, je parle pas à des gens de Mnebrak maintenant, je parle à vous. Je parle même à moi-même. Il faut que, comme ça, comme il a dit exactement, c'est super. C'est-à-dire que tu as une motivation, que maintenant tu vas faire un foot. Donc tu as cette volonté de faire le foot, tu as cette motivation de faire le foot. Donc tu casses de la Torah dedans. Tu casses la Torah dedans. Le gars, il vient pour le foot, mais en vérité, il va recevoir de la Torah. Et la Torah, ça purifie. Quelqu'un qui est tombé déjà. Quelqu'un, alors allez-nous, qui est tombé dans un truc d'internet un peu très grave. Okay, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait pour s'en sortir? Comment il démène? C'est une drogue. Et c'est une drogue pour tout le monde. C'est pas seulement les jeunes. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Il y a pas de tabou ici. Je vous parle normalement. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Il y a des gens, des mariés qui font des conneries. C'est parce qu'ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas assez construits. Ils ont pas assez de Torah. Ils ont pas assez de Yirat Shamayim. Ils savent pas qu'il y a Hachem dans leur vie. Mais comment alors? Ok, alors je sais pas. Comment je fais maintenant? Eh ben, tu trouves des bons amis. Tu trouves des gens avec qui tu peux parler. Tu trouves des. Si tu n'arrives pas à parler à tes parents, tu trouves un rab, ou tu trouves quelqu'un qui est dans la Torah, que lui, tu sais que tu peux lui parler. Mais d'abord, les amis, mais même Rabbeinu, tu sais, il parle beaucoup de Sikhot Haverim. Sikhot Haverim, ça veut dire de parler avec des copains, mais de Gdusha. Dis-moi, tu sais. Et si tu vois que le gars, au contraire, il te casse, il te descend, avec tout le respect que tu lui dois, il faut que tu t'éloignes de lui par rapport au Sikhot Haverim. Tu peux jouer avec lui, tu peux faire ce que tu veux. Mais par rapport à parler avec lui, il faut que tu trouves des gens qui sont méchazek au train. Ils arrivent à te tenir bon parce que c'est une guerre en dehors. Maintenant, on est une demi-heure là, mais c'est une guerre dehors. C'est un vrai Yetzerara. Et c'est une guerre d'autant plus pour vous parce que Yetzerara, il vous adore. Vous êtes sa propre préférée. Parce que Behemet, vous êtes maintenant en train de diriger votre vie. Qu'est-ce qui va arriver dans 30 ans? C'est maintenant que ça se décide. Alors, Bezrat Hashem, que ces quelques minutes de Shiur, à chaque fois, il soit Mesrazek au Tano. Et qu'on arrive à tenir le coup par rapport à ça, ok? Hazak ou Hazak.